OK, question 7, c'est une question au chapitre vecteuse. OK, vecteuse, nous pouvons faire des formes 2, formes 3, c'est une vecteuse. Mais forme 4, c'est supposé une vecteuse, nous quittons ça, c'est le chapitre qui nous quitte de forme 4. Mais pas grave, ben, tu nous ce qu'on apprend de forme 3 capable et de répondre à cette question. À nous lire, l'indicateur in the diagram ABCDEF is a hexagon, getting an hexagon with rotational symmetry of order 2. Qu'est-ce que ça veut dire rotational symmetry of order 2? Rotational, veut dire que rotate en oscillation. Et là, c'est mon rotate. Right, là, mon rotate, ça descend. Right, sa original descend, sa original diagramme, tu trouves deux fois. Right, comment il était, get descend, comment il était. Comme on peut tourner, get, mon trouve un coup pareil, comment il était original. Là, mon tourner, get là, comme on fait 360 degrés, get un deuxième coup, mon trouve. Ça, c'est rotational symmetry of order 2. Mais déjà, ça descend, comment tu peux trouver là, quand tu peux virer comme ça, tu trouves pareil pour pareil, identique. Mais déjà, ça side avec ça side la même longueur, ça des side la même longueur, ça des side la même longueur, et que ça va un angle là pareil, pareil, identique. Ok, quand tu virer ici et que tu get sur original position. Next, déjà, how many lines of symmetry does this diagram have? Combien de lines of symmetry il y en a? Les points de line of symétrie au milieu ici, c'est de tout d'accord là. Ouais, c'est mon petit crayon. Vous avez trouvé qu'il y a une line of symétrie exactement ici, au milieu. Cette line of symétrie veut dire la ligne, ce pli descend là. Ouais, tu as dit comment dire, une mirror line. Ok, ce pli descend là, ça la ligne là, vous avez tous les deux besoin. Veut dire qu'il y a un miroir des côtés. Ouais, ça, une line of symétrie au milieu, une deuxième line of symétrie pour ici. Ok, là, tout cas, pli de dessin, des besoins. Right, ça veut dire que ça descend là, il y a two lines of symmetry. Right là, next. Assez, nous pouvons get un peu ben, concept vectors. Ok, next, c'est à toi, express as simply as possible in terms of one or more of the vectors P, Q, O, O. Get bien, si tu prends depuis E pour toi le D, get là E pour le D, sa direction c'est 2P. Right, ça c'est vecteur 2P. Right, pour prendre depuis E pour aller jusqu'à D. Next, point depuis A pour B, ça aussi dit pour 2P même. Quelle raison ça pour 2P? Parce que c'est la même longueur et la même direction. 2P. Right là, rappelez bien vectors, quand on a la même longueur et la même direction, c'est equal vectors. C'est-à-dire AB dit 2P, ID aussi dit 2P. Right? Next, ça c'était E pour F de trouver, ça vous donne Q. Next, ça vous donne Q, vous avez un vecteur qui a la même longueur et la même direction ici. Et ça bout là aussi, il faut Q, C pour B. Next, get ça bout là, F, A pour F, ça bout là, A, vecteur A, get un pareil identique ici. Et ça bout là aussi pour A. Et puis C pour D. Ok, next. Astère, get qui l'indique à toi, qui X is a midpoint of CD. Get X côté T, X est midpoint of CD. X est au milieu CD. Je veux dire, ça vecteur là, si pour x est pour la moitié or, parce que ça total là est or, là est pour la moitié or, et depuis x pour d, ça bout là aussi pour la moitié or. Ok, next, c'est toi, AB, get là. Y is a point on AB, get un point Y là, such that AY, YB, les free is to 1. Je veux dire, si tu prends un total là, après il y a un ratio, c'est equal parts. Si tu prends ça vecteur là, net te diviser en 4 bouts, 4 equal parts, et pour le y, il gagne 2 parts, il gagne 3 parts, et que ça là, il gagne 1 part. Veut dire total, rappelle bien que et pour le b, en total, tu bien connu les 2p. Ça, c'est et pour le b, t'as là, je trouvais. À ce moment, vous divisez en 4 equal parts. Veut dire que la n, d, 3, et la n, d, 3, 4. L'idée gagne 3 parts, ça là, gagne 1 part. C'est un ratio là, il explique-toi. Ok, veut dire ça et pour le y là, get là, et pour le y que tu peux mettre ici, et pour le y, il est pour 3 lots 4, il est pour 3 lots 4, 3 quarts, parce qu'il y a 3 parts, le total 4 parts, de ça et b là, et b il est combien? Il est 2p. Il y a 3 quarts, il est 3 lots 4, 3, le total 4, de ça et b là, il est 2p. Next, ça c'est mon point y pour moi le b. Li combien li gagne? Y pour B, li n de total 4 par. Li dit n de 4 fois 2p, c'est EB. De ça EB là. Li dit gagne n de sa total EB là. Ok? Right? Bon, pensez d'une fille organisée. Ça n'est que répondre à sa question là. Comment tu peux prendre depuis E pour la A? Peut-être que tu n'as pas prendre depuis E pour la A. Quel chemin tu peux faire?
chemin plus facile, ou besoin de service avec un chemin qui vous désigne. Si tu es E poil A, ou tu peux faire ça les deux, mais ou tu peux pas faire E poil F, là F poil A. C'est-à-dire E poil A est équivalent avec E poil F, là comment on finit faire ça? Depuis F poil A. Next, E poil F, comme il était, vous pouvez trouver le dessin de Q plus F poil A. Il bien A poil F, l'IA. F poil A, quand le sens direction est négative. Il est négative A. La plus moins, c'est pour moins, devine Q minus A. Ça, c'est la première réponse. Q minus A. Rappelez-vous bien de la vecteur, nous mettons ça tilde là, ça vague là en bas. Right? Que ici qui bold, d'habitude, nous mettons un petit vague en bas. Ok. À ce F poil C. Si nous mettons le dessin, comment tu peux aussi F poil C? F côté D. F qui est là? Ou un poil jusqu'à C. Vous pouvez faire comme ça? F poil A. A poil B et B poil C. Ça veut dire F poil C est équivalent avec F poil A. Là, depuis A toile B. Là, next depuis B toile C. Allez, right, nous avons un point. Vecteur F A qui était, il est pour négatif A. Parce que nous sommes en direction A poil F qui A. Ça veut dire F poil A est pour négatif A. A poil B, là, je trouve les 2P. Plus 2P. A poil B est 2P. Next plus. B poil C, vous trouvez C poil B li Q, B poil C li pouvez négatif Q. Ok, right, nous mettez dans l'alphabetical order, vous mettez 2P là avant. Là, là, retirez Q. Là, là, il y a négatif A. C'est la réponse 20. 2P, retirez Q avec retirez A. Next, vecteur FY. Vous mettez ce nom aussi depuis F poil Y. Vous faites F poil A après A poil Y, ok? Allez, right. Ça veut dire F poil Y, les bobines. F poil A, là, tu prends plus A poil Y. Ok, F poil A, comme elle dit. Regarde bien, je te finis de trouver F poil A, li négatif A. Plus, ça n'a pas tricky, E poil Y. T'es là, je finis d'organiser. E poil Y, li 3 quarts de 2P. E poil Y, li 3 quarts de 2P. Ça, c'est aussi simplifié, divise par 2, divise 2C, divise négatif A, plus 3 lots 2P. Ou soit, right, divise 3 lots, tout cas, vous réécrivez en alphabetical order, P là, bien avant, 3 lots 2P, retirez A. Ou soit, tout cas, faites divise mix number 1 and a half, ou soit, N.5P, retirez A. Ok, next, dernier, nous avons Y poil X. Y poil X. Allez, nous allons donner un dessin, comment nous sortir Y poil X. Depuis Y poil X, nous pouvons faire Y poil B. B poil C et C poil X. Ça veut dire, vous rappelez un coup, ça veut dire Y poil X qui est déjà. Nous pouvons faire depuis Y nous poil B. Next, depuis B nous poil C. Après, depuis C nous poil X. Et nous prenons les N poil, nous pas passer. Si nous mettons un dessin, comment nous prenons Y poil B? Y poil B, vous trouvez Y poil B, il y a N corps de 2P. Ça veut dire la ligne N corps de 2P. N corps de 2P. Plus B poil C. Vous pouvez trouver que B poil C, comme il était, B poil C, il est pour négatif de Q. Ça devient négatif de Q. Plus C poil X, comme il était, C poil X, nous trouvons l'idée là, ça tout à l'heure, il est or, il devient half or. C'est-à-dire là, il est pour half or. PQR, le design de alphabetical order, D lo 4 sur le juice, devient N lo 2P. Ici, plus moins, vous venez moins Q avec plus. Ici, vous venez half R. Réponse à venez half P. Retirez Q avec plus half R. Ok, ça, c'est réponse partie D. Next, on a la partie B. Toujours question 7. Question 7 sur partie B. Right, même dessin que moi, j'ai déjà là. Ok, right, là j'ai ta PQRSTU, ça dessin là, il est similaire à un hexagone que j'ai trouvé là. Ça dit similaire, ça des dessins là, c'est similaire à ça. Ok, je veux dire pareil, on a ce line of symmetry, ce rotational symmetry. Right, là, ça veut dire ça des lignes de parallèle même longueur. Ça des lignes de parallèle, qu'est-ce qu'il y a? Même longueur. Et que ça la ligne là, il est parallèle avec ça là. Et même longueur. Ok. À ce next, tu vas trouver que tu as une rayonne la ligne, c'est une espèce diagonale. Et toi, single là 95 degrés, single là 140 degrés. Ok.
Asene pou rezonen suiv. Si sa bouta li 140 degre, a kouz to rapil si nan line of symmetry si, si nan line of symmetry si, vite si sa 140 degre, sa angle hat total la pou bizan 140 degre. Total fè 140 degre, total. Vite sa total la, isi la to kon 95 degre, pou gen sa ti bout manke la to ka fè 140 retire, 95. Ok, enze li pse ki travè papye li, li bizan bon observatir. Right, 10 retire 5 fè 5. N pour être ici, c'est 26. 10 retire 9 fait N plus 3 fait 4. Ici, 45 degrés. Next, ça c'est ce service Z angle. Là, parce que ça de la ligne de parallèle qui est coupé ou peut-être où ça Z là. Ça vous là aussi pour 45 degrés. Next, il y a encore un truc de cas servi. Là, ça tient line of symmetry. Vous êtes encore appelé ça tient line of symmetry? Oui, t'es là, ça tient line of symmetry. Get sa bout la total li 140, veut dire angle ici là aussi pour 140. Next ici li 140, veut dire ici aussi li pour 140 degrés. Get là, ça total là fait 140 degrés. Parce que ça c'est des line of, c'est des angle pareil. Veut dire si ici 45, automatique, tu besoin faire 140, veut dire 45, tu gagnes 95 degrés. Ok, right. Next ça c'est, get ça des angles qui manquent là ici. Get manque un angle ici, manque un angle ici. Même ta façon pour faire. Nous capable observer la moitié de ça. Get nous get la moitié de ça. Il y a un qui a été shape. Il y a un 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a un quadrilatéral. Veja un quadrilatéral. Rappelez bien, total integer angle, c'est 360 degrés. D'un quadrilatéral. Vous capable de servir formule pour polygone. N moins 2 fois 180. Sum of integer angle. Là, get sa shape la moitié. Là, il y a 4 sides. 4 minus 2. Fois 180, il y a une D fois 180 qui donne 360 degrés. Peut-être total integer angle, là, 360 degrés. Comment tu prends un angle qui manque là? Tu as servi de calculatrice. C'est total 360 degrés. 360, moi retire ça. 3 angles qui me connaît là. 45 plus 140 plus 95 qui fait de moi 80. Peut-être ici, 80 degrés. À cause de la line of symétrie ici, automatique là, ici, là aussi, pour 80 degrés. Ok, mais on finit avec deux angles qui sont bizarres. C'est une question là, vite. Première partie, angle QPS. QPS, c'est cet angle ici là, de 45 degrés. Next, deuxième partie, on va mettre angle PSA. PSA. PSA, cet angle ici là, de 95 degrés. Vous pouvez trouver l'angle de ça là, de 95 degrés. Ça devient 95 degrés. Next, dernier, PUT. Ok, angle P, U, T, c'est angle ici là, nous gagnons 80 degrés. Ok, ça va être la dernière réponse à 80 degrés.